Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi. Aujourd'hui, direction la Charente-Maritime, où un secteur connaît une forte croissance, le secteur du nautisme de plaisance. Les entreprises de la région proposent de nombreux emplois. Problème, la difficulté de recruter du personnel qualifié. Chez ce fabricant de catamarans, 150 postes sont à pourvoir. L'activité était très forte. Aujourd'hui, nous sommes environ 700 collaborateurs. L'année dernière, nous étions à peine 600 et il y a deux ans, à peine 500. Donc, une très forte progression. Nous avons recruté 120 contrats à durée indéterminée. Voilà. Et donc, les métiers dont nous avons plusieurs métiers en tension, que sont les opérateurs en matériaux composites, les menuisiers, les accastilleurs. Et les autres métiers, je dirais aussi, sont en tension, mais un petit peu moins. C'est là où est la difficulté, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de personnes formées dans ces domaines. C'est pour cela que, la grosse activité du service des ressources humaines, c'est de former pour pouvoir intégrer des personnes sur ces métiers-là. Ça fait 30 ans, j'ai commencé comme intérimaire. Je venais du bâtiment, électricien bâtiment. Le métier m'a plu. Alors j'étais moi au composite. C'est pour ça que je suis, on va dire, entre guillemets, chef d'atelier composite. Et Fontaine Pajot m'a aidé à progresser. Et je suis venu il y a ça deux ans, grâce à, on va dire, à la LUNIC, chef d'atelier. Il y a aujourd'hui un processus qui est fait via Pôle emploi, puisque Pôle emploi intervient d'une manière très importante dans ce processus de recrutement. Et nous faisons ce qu'on appelle des MRF, c'est une méthode de recrutement par simulation qui est faite par Pôle emploi. Ensuite, les personnes qui sont au niveau requis en termes d'habileté, viennent sur une découverte du métier menuisier, opérateur matériaux composite, accastilleur, dans l'entreprise pendant une semaine. Et à l'issue de cette découverte, partent en formation sur une durée qui est relativement courte, de 11 semaines. Et à l'issue de cette formation de 11 semaines, nous intégrons les personnes en mission d'intérim, puisque c'est principalement la porte d'entrée dans l'entreprise. Et à l'issue de cette mission d'intérim, ils passent en contrat à durée indéterminée. Dans les métiers les plus recherchés, celui de technicien de matériaux composites. Un savoir-faire bien spécifique qui peut être acquis lors des 11 semaines de formation dispensées par l'entreprise. Les techniciens de matériaux composites sont au cœur de la fabrication du bateau et réalisent une étape cruciale, celle de la conception de la coque. Voilà. Elisabeth Deméchaud, technicienne de matériaux composites. Vous, ce que vous voyez, c'est l'extérieur de la pièce. Nous, on travaille à l'intérieur. Donc, une fois que c'est gelé coté, on fait une voie humide, c'est-à-dire qu'on passe des tissus imprégnés de résine. Quand cette étape elle est sèche, on drape, on met toutes les couches de tissu qui sont nécessaires à la coque. Après, on met sous vide. Et puis là, on va envoyer ce qu'on appelle la fusion. Voilà. Donc là, on alimente le fût. Hein. Une fois que celui-ci sera bien rempli, nous allons ouvrir les arrivées de résine qui va alimenter tout le circuit jaune, que le circuit jaune de la pièce. Ça, c'est les alimentations résine. Les gaines bleues que vous voyez à travers la pièce, là, sont des gaines d'aspiration qui vont aider à faire venir la résine en haut ou en bas et qui servent aussi à faire le vide de la pièce. Là, on pose tous les tissus, on les drape et après on envoie la résine. Mais il faut que ça se fasse sous vide, en dépression. Ça. Une fois que tout est infusé, là le résultat. Et si la direction des ressources humaines a du mal à suivre les carnets de commandes, c'est que cette entreprise connaît une croissance de 34% par an. Les raisons de ce succès, un made in France très prisé par la clientèle étrangère. Nicolas Gardy, directeur général Fontaine Pajot. Nous concevons, nous fabriquons, nous vendons des catamarans de croisière à voile et à moteur, les deux gammes. Aujourd'hui, on a une bonne dizaine de modèles différents.
On s'adresse à la fois à une clientèle de loueurs et une clientèle de particuliers. Et on vend à peu près 9 bateaux sur 10 à l'étranger. C'est aussi une spécificité du chantier, c'est qu'on exporte et on internationalise très fortement nos ventes. Que ce soit nos confrères vendéens, la fabrication de bateaux de plaisance est une spécificité vraiment française. La région Nouvelle-Aquitaine totalise 17% du nautisme en France, soit plus de 6000 emplois. Les 1000 entreprises réparties sur les 700 km du littoral proposent de nombreux contrats en CDI ainsi que des contrats saisonniers. Un secteur très dynamique pour tous ceux qui rêvent de construire ces bateaux d'exception.